Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Secret de la Bonne Cuisine. Moi c'est Fifi. My name is Fifi. So I'm gonna show you how I smoke this catfish. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fumé mon poisson chat là. Donc restez, ne pas nulle part. Don't go anywhere. Stay. I'm gonna show you. But first, I'm gonna show you how I clean first. Ok, je vais vous montrer d'abord comment j'ai nettoyé tout. Donc, ça, c'est le poisson catfish. Donc, je vais utiliser table salt. Je vais mettre beaucoup de sel ici pour bien nettoyer. Et laver avec du citron. Il faut être sûr que pour que les odeurs va, pour ne pas qu'il y ait de l'odeur sur ton poisson. Make sure you wash your fish so well so the smell. Everything will go because catfish smells so bad. So make sure you put a lot of salt and lemon. I'm gonna use lemon, just lemon, and salt here to clean my fish. That's lemon. I'm gonna cut it too. Je vais, ça c'est du citron. Je vais nettoyer avec du citron. Ça aide à détruire tous les odeurs qui sont sur le poisson. It helps me to take away all the smell of fish. You know, fish smells so badly. All that bad smell will go away. Okay, make sure you wash your fish so well. Okay, faut bien nettoyer ton poisson très bien avec du citron. L'autre là, c'est mackerel poisson. That's mackerel fish too. I'm gonna do because I wanted to smoke mackerel fish, but there's a video for that too already. So look at. I'm gonna open the hot water now to clean so well. This fish is so good, but make sure you clean so well. Le poisson catfish, c'est très bon, c'est très délicieux, mais si tu laves pas bien, tu vas pas bien. L'odeur va rester, donc tu vas pas aimer ça. So, the fish, catfish is so delicious, but make sure you if you want to enjoy your fish, catfish, make sure you wash so well, okay? Look at, so I'm using hot water now, all the skin. Inside, out, everywhere. Make sure you clean all the dirty inside. You take it out. Put your hand inside. Voyez, tu mets ta main pour retirer tous les ordures qui sont dedans. Faut être sûr que ton poisson s'est bien, très bien lavé avant de manger. Ok, donc je mets du citron encore dedans parce que je veux pas l'odeur sur mon poisson. I don't want to smell that bad smell on my fish. Je veux pas voir, je veux pas sentir l'odeur qui sent mauvais là. Non, je prends, voyez la peau, voyez, quand tu mets de l'eau chaude, ça va bien laver et je vais rincer avec de l'eau froide maintenant. Donc, je vous montre comme ça, two videos in one. Two videos in one, deux vidéos en même temps. Parce que je vous montre comment je lave mon poisson. Et je vais montrer comment je vais fumer ça. Hein? Bonus vidéo pour my subscriber. So, I'm giving you bonus video. Instead to make two videos, I'm making two in one video. Je fais deux vidéos en même temps pour vous comme ça, pour vous donner du bonus. Donc voilà, j'ai presque fini. Faut sur, regarde la peau, comment ça tombe. Toutes les saletés de le poisson, vous doit enlever. Maintenant, j'ouvre de l'eau froide. Je vais rincer avec ça très bien. Et voilà. Faut sur que c'est bien lavé. Voilà, je continue jusqu'à ce que je vais finir. Donc, je vais faire la même chose avec mon mackerel poisson. I'm going to do the same thing with my fish. That's skinless poisson fish. Ça, c'est le poisson qui n'a pas de tête. C'est un tout peu. Je voulais mettre ça sur quelque chose. Je faisais la sauce gumbo. C'est pour cela que j'avais besoin de mackerel, smoke mackerel et le poisson là que j'avais besoin. Voilà, j'ouvre dedans aussi. Je fais la même chose quand j'ouvre dedans. Tu retires toutes les saletés qui sont dedans. Make sure you take all the dirt inside.
You see? And I put salt on it. I already did a video for this one, mackerel fumé. So I'm not gonna show you all of this. You know the video of mackerel, how I smoke my mackerel fish. So today I'm gonna show you how I clean my catfish and how I smoke it. Okay, two videos in one. Voilà, j'ai presque fini. Et voilà, maintenant je vais prendre un sopalin pour retirer de l'eau dedans, tout et tout. I'm gonna use a chicken tissue to clean it, to dry it. I don't want excess water. And I'm just using pink salt. Je vais juste utiliser du sel ici, pink salt. Moi, je n'utilise pas table salt pour la cuisine. Maintenant, c'est juste pour nettoyer mon poisson ou le poulet. J'utilise pink salt ou sea salt. Ça, c'est pink salt. Donc, je vais rub sea salt on it. And pink sea salt. I'm not using table salt anymore. And I'm going to put this one in the oven. I'm going to do the same thing. Je vais faire la même chose sur mon poisson mackerel. J'utilise pink salt or sea salt. Table salt just for clean my fish and chicken. L'autre celle-là, j'utilise ça seulement pour nettoyer. Et voilà, c'est parti au four pendant 1 heure de temps. For 1 hour, I'm gonna put in the oven for 180 degrees. And look at the result! Regardez le résultat après 1 heure. Sur 180 degrés, hein? 45 à 1 heure de temps, mais il faut surveiller. Hein? And that's the result. I hope you enjoyed this video. You can have this one for stew, for your okra stew, spinach stew. Looks so yummy. So if you are not subscribed yet, subscribe and like it and comment below and share everywhere you can share. A très bientôt pour une autre vidéo. Look at. Let me show you everywhere. Oh my goodness. You can have this one as a stew, fish stew, pour le poisson sauce tomate, regarde. Je vais ouvrir dedans, vous allez voir le poisson. C'était très bien, oh my goodness. I'm going to use this one for stew, for a video camé. Look at this set, look at. The fish was so delicious. So delicious, I'm telling you, c'était très bien. Tu peux faire ça avec la sauce tomate ou dans tes sauces combo. Ce que tu veux, quoi. Ok, à très bientôt pour une autre vidéo. And bye for now. Bisous.